sa vitesse supersonique le rend très compliqué à détecter et à intercepter. Mais ce n'est pas tout, ces trajectoires de vol posent de sérieux problèmes à l'armée ukrainienne. Conçu pour pouvoir voler à très basse altitude en rasant l'eau, il peut aussi s'élever très haut au lancement avant de retomber sur sa cible. Il est très difficile de faire face à ce genre de missile, mais il est possible d'avoir une influence sur eux grâce à la guerre électronique, ajoute Yuri Ina. Ces deux dernières années ont vu d'importantes commandes d'armement pour les armées de terre, de l'air. L'objectif de doter l'armée malienne d'avions de combat, de blindés, de pièces d'artillerie, afin d'accomplir ses missions avec succès sur un territoire agressé par une galaxie de groupes terroristes.